rassemblez-vous devant l'escalier de B, s'il vous plaît. On voit bien. Donc, tout d'abord, merci d'être venu. Donc on rappelle que c'est pas un mouvement syndical, hein, c'est un mouvement étudiant de revendication par rapport aux différents problèmes qui concernent Rennes 2. Alors c'est parti de la filière Infocom à la base. Donc on invite toutes les filières du coup à venir. Donc nous on est tout simplement que des Infocom. Donc si d'autres personnes veulent prendre la parole au nom d'autres filières, ils sont les bienvenus. On tient aussi à dire que c'est pas dans le but de créer une manifestation, un blocus ou quoi que ce soit. C'est pour amorcer vraiment un dialogue avec la présidence et l'administration pour essayer de régler les problèmes le plus calmement possible. Je me suis vu refuser l'accès à mon TD cette semaine, faute de place. On m'a dit, il y a trop de gens, il y a trop d'élèves, on ne peut pas assurer un TD à plus de 12. Ah, excusez-moi, ils étaient 18 dans la salle, pas de chance. Vous êtes tous concernés. Dans chaque filière, il y a un manque de place. Dans chaque filière, on se retrouve comme ça, comme des cons, à être sur les marches, dans les amphis, à être refusé en TD parce qu'il n'y a pas assez de place, et c'est pas normal. On va pas faire dans l'originalité, moi aussi je m'appelle Pierre. Je suis donc ici en Master 1 d'urbanisme. Ça fait 5 ans que je suis à l'université. Et tout simplement, moi ça fait depuis 5 ans que je vois que les conditions d'études de tous les étudiants ici présents, elles se dégradent. Ça fait depuis 5 ans que le budget de cette université ne répond plus aux conditions d'études des étudiants. Ça fait depuis 5 ans que le nombre d'étudiants sur cette université elle augmente et que le budget, les dotations de l'État qui nous sont données à cette université, elles n'augmentent pas. Et donc, quels sont les vrais soucis aujourd'hui? Eh bien, c'est trop de personnes dans les amphis. Mais on peut également ramener ça à la question des tirages au sort en AES, au manque de professeurs. J'en passe, toutes les filières aujourd'hui, elles sont concernées, mais surtout on n'a pas assez de budget. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on peut débuter cette mobilisation, appelons ça comme on doit l'appeler, une mobilisation pour que tout simplement le budget de cette université Rennes 2, une université de sciences humaines et sociales, et non pas une université de sciences inhumaines et asociales, eh bien, que son budget soit enfin... Que son budget soit enfin à la hauteur des attentes et des exigences de ses étudiants, de ses propres personnels, de ses professeurs et tout simplement de notre niveau d'études. La présidence ne souhaite vraiment pas recevoir nos propres. Donc maintenant, on a une revendication, c'est... Donc maintenant, il va falloir fixer... Il faut qu'on fasse une délégation. Maintenant, il va falloir élire une délégation qui concerne, je pense, toutes les filières. Il va falloir un délégué pour chaque filière, afin qu'on aille voir la présidence ensemble et avec nos profs. Pour que le problème soit réglé, vas-y, je t'invite à monter. Pour que le problème soit réglé entre les élèves, les profs, face à l'administration. Et pour faire de la cartographie, on est 53 dans une salle pour 40 et on n'a pas assez de tables pour poser les cartes. C'est ça le syndrome de cette université et de l'ensemble de cette politique d'éducation. C'est que quel que soit l'endroit où on est, on vit toujours par manquer de moyens. On n'est pas la seule université en France à se mobiliser. Il y a Lyon, il y a Montpellier 3 qui se mobilise contre la fermeture de ce bâtiment, contre la fermeture des filières, et Nantes aussi, qui se mobilise contre le tirage au sort des étudiants en première année. Là-bas, quand vous arrivez en première année, vous n'êtes pas sûr de votre place, vous êtes tiré au sort. Les staffs de là-bas sont retirés un quart de leur effectif. Et voilà ce que je cherchais à dénoncer. Je parle aussi au nom de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Bonjour Léa, je suis en master 2 d'histoire et je suis syndicale UNEF. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à discuter là maintenant, c'est d'une série de revendications qui pourraient être communes à l'ensemble des filières qui sont présentes aujourd'hui. Alors, j'ai noté quelques trucs dans les interventions précédentes. J'ai l'impression que ce dont on aurait besoin, c'est d'une embauche massive de professeurs, de salles pour toutes les filières et pour l'ensemble des cours,
et aussi d'examens de qualité en revendiquant notamment la suppression des QCM, des tirages au sort et des dissertations en moins d'une heure. Moi, c'est ce que j'ai noté, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui pourraient être mises en avant. Et je pense que sur cette plateforme de revendication qu'il est nécessaire de voter à la fin de cette AG, il faudra que la délégation qui soit mandatée pour aller discuter avec la présidence, elle défende l'ensemble des revendications et qu'on lâche rien avant que l'ensemble de ces revendications, elles aient abouti. Et par rapport à ça, moi, je pense qu'il faut être un peu clair sur quel espoir on met dans cette négociation. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que le gouvernement... il met en place des coupes budgétaires dans l'ensemble des universités. Alors, on s'en rend compte, à Paris 1, il y a 30 000 heures de TD qui ont été supprimées. À Aix-Marseille, à Toulouse, il va bientôt plus y avoir de rattrapage, etc., etc. Et partout, les étudiants, ils commencent à s'organiser, à se mobiliser. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir d'illusions. On ne gagnera pas là-dessus sans une bagarre d'ensemble de toutes les universités de France. Et pour ça, je pense que nous, il faut qu'on commence à construire le rapport de force de manière un peu concrète. Et donc, je pense que le minimum, c'est qu'à la fin de cette AG, on vote la mise en place d'un rassemblement qui aurait lieu en même temps que la négociation. Pour mettre la pression à l'université. Bonjour à tous, moi c'est Mimosa, je suis étudiante en L3 lettres modernes, je suis aussi syndiquée à l'UNEF et je suis aussi militante au Nouveau Parti Anticapitaliste. Moi j'étais d'accord avec les deux précédentes interves de Léa et de Maud. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut quand même se féliciter qu'avec très peu de préparation, on est vraiment très nombreux et on est très nombreux aussi à s'organiser justement pour avoir des meilleures conditions d'études. Et je pense que ça c'est le point principal qui nous réunit. Léa a fait une série de revendications qu'on peut avoir. Moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir d'illusions sur le fait qu'aujourd'hui, la négociation qu'on va avoir, elle va pas permettre à toutes nos revendications d'aboutir. Moi, je pense qu'il faut décider dès aujourd'hui de se revoir en Assemblée Générale dès la semaine prochaine pour pouvoir s'organiser. Je pense aussi qu'il faut décider d'un comité de mobilisation qui soit ouvert à tous et pas justement des représentants par filière, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous touchés et qu'il faut absolument pouvoir tous s'organiser et être le plus possible dans la mobilisation. Comité de mobilisation qui devrait, à mon avis, écrire un tract pour pouvoir justement pas qu'être avec des affiches, des intervenants filles, mais justement écrire un tract pour expliquer tout ce qui se passe sur nos facs et qu'effectivement, ce truc-là, il n'est pas spécifique à Rennes 2, qu'en réalité, c'est partout. On veut nous imposer l'austérité sur les facs et ça, à mon avis, c'est inadmissible. Donc à mon avis, je pense qu'il faudrait acter, et c'est une proposition de vote que j'ai pour la fin, d'avoir une prochaine Assemblée Générale jeudi prochain à 12h45. Au même endroit, etc. Et je pense qu'il faudra qu'on soit encore plus nombreux. Et la proposition de former un comité de mobilisation qui soit ouvert à toutes et tous, dans lequel on peut aussi écrire un tract pour justement expliquer une série de nos revendications qu'on aura décidées et aussi la situation sur les facs. Moi, je voulais rajouter le point, le fait que dans cette université, l'amphi B9 va être supprimé. C'est-à-dire que le seul amphi qui peut, à l'heure actuelle, un peu nous contenir, nous accueillir, nous proposer plus ou moins des conditions plus ou moins acceptables, puisque l'amphi B9 est aussi un petit peu vétuste, il va être supprimé pour un partenariat commercial avec Bouygues. C'est-à-dire que l'université va payer pour utiliser les amphis. Vous trouvez ça normal? Et si la fac n'a pas assez de budget, il y a plusieurs raisons. Il y a un choix politique qui a été fait de la part du gouvernement de ne pas donner l'argent aux facs, mais il y a aussi une université, une direction d'université qui fait le choix de ne pas demander de rallonge budgétaire au ministère. Et ça, c'est inacceptable. Parce que nous, nos conditions d'études derrière, elles sont dégradées. Et ce qu'on doit faire entendre dans ce mouvement-là, et j'étais assez d'accord avec la plupart des interventions, c'est faire entendre qu'il faut que la fac elle ait un budget à la hauteur de ses besoins. Et ça passera par une chose, c'est forcer la présidence de l'université à se bouger le cul et à aller chercher une rallonge budgétaire auprès du ministère avec nous, parce que sinon on s'en sortira pas. Et là, pour en arriver un peu aux moyens d'action, parce que je pense qu'il faut qu'on en discute aussi, et il y avait un certain consensus, je pense, je suis d'accord sur le fait d'élire une délégation qui va aller discuter avec le président, si le rendez-vous est là, il est là, mais je pense pas qu'il faut faire que ça, parce que l'intervenant d'avant, j'ai oublié ton prénom, on a parlé, il y a déjà eu une tentative de dialogue entre le département Infocom et la direction sur cette question-là, et la direction de l'université a tout simplement envoyé chez le département.
Donc je pense pas que ça serve à quelque chose d'aller voir gentiment le président de l'université en délégation sans rien faire d'autre et lui demander poliment de nous renforcer notre budget. Ça, il voudra pas. Par contre, si on va le voir, mais qu'en même temps, il y a un rassemblement en bas de la présidence de centaines, de milliers d'étudiants qui se mobilisent en même temps, et ben là, oui, on pourra mettre la pression pour qu'ils se bougent le cul et pour qu'ils se réveillent et que pour que, ouais, on puisse enfin avoir des conditions plus acceptables, parce qu'on ne pourra pas gagner si on se contente de négocier sans construire le rapport de force. Alors maintenant, on est tous là et je pense qu'on est déjà assez nombreux pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de monde la prochaine fois et qu'on soit très nombreux à se mobiliser pour faire en sorte, et je soumets ça au vote d'ailleurs à la sortie de l'AG, que quand le président recevra sa délégation, et bien il y a tout simplement tous les gens qui sont là, et tous vos potes et tous vos camarades d'amphi qui soient devant la présidence pour mettre la pression au président et pour pouvoir avoir une chance de gagner. J'ai peut-être une approche un peu différente des choses. Je pense qu'il ne faut pas oublier que quand même la décision finale appartient à la présidence concernant la demande de rallonge budgétaire et que d'avoir un comportement plutôt hostile envers la présidence n'est pas forcément la meilleure des approches. Le but, c'est pas non plus d'être en rapport de force avec elle, mais plutôt dans un travail commun. Je m'en doutais, je savais bien que ça allait être comme ça, mais... Voilà, je vous rappelle juste que c'est quand même la décision qui leur appartient. Voilà, ça s'est déjà vu avant, il y a déjà eu des mobilisations des années précédentes et qui n'ont pas forcément abouti, justement peut-être par leur caractère un peu trop violente. Donc voilà, je voulais juste rappeler ce genre de choses. Je voulais reprendre la parole concernant la mobilité réduite. En effet, je suis étudiante en infocom. On est 6 personnes handicapées, on a besoin de 6 places. À l'heure actuelle, on a 2 places pour 6 étudiants. On ne peut pas venir en cours. C'est-à-dire que dans nos cours, dans l'amphi B9, qui sera bien évidemment supprimé, c'est le seul à l'heure actuelle qui peut nous permettre un peu d'aller en cours. C'est-à-dire que dans notre cours, on doit circuler avec le fauteuil. On doit pouvoir se mouvoir, on doit pouvoir se tourner. Sachant qu'il y a des étudiants sur les estrades, on ne peut pas. Donc c'est-à-dire que la fac prive les étudiants, handicapés notamment, mais les autres, de pouvoir aller en cours du fait de l'accroissement des étudiants dans les amphis. Mais je parle aussi des TD. Tout le monde est concerné. Ça ne concerne pas qu'une unité, ça ne concerne pas qu'une partie de la population. Je pense que la fac est concernée dans son ensemble et qu'il est nécessaire de réfléchir aux revendications. Je ne suis pas dans les revendications extrêmes, comme l'a proposé le président de l'UDEF. Effectivement, les revendications extrêmes proposées à Rennes précédemment au niveau de l'histoire n'ont pas marché. Je pense qu'il est intéressant de faire une revendication pacifiste, mais de réfléchir clairement sur les objections. Il faut agir avec la présidence. C'est la présidence qui demandera une rallonge budgétaire. Nous n'aurons pas les moyens d'agir. Sans la présidence, notre action ne portera pas. Donc effectivement, la présidence omet des choses qu'on ne souhaite pas, mais il va falloir cohabiter. Pour cohabiter, il faut négocier de façon intelligente. Et notre intérêt, c'est de concilier un peu tous les partis pour pouvoir gagner ce qu'on souhaite. Des fois, il faut faire des concessions. Et je pense qu'on est intelligent et on ne va pas faire comme les mouvements précédents. On veut justement agir, on veut réfléchir, on ne veut pas faire quelque chose de bâclé. On veut un discours argumenté, pour ensuite pouvoir avoir d'autres moyens face à la présidence. Voilà. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas spécialement se tromper d'objectif et plus créer un rapport de force vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du gouvernement plutôt que vis-à-vis du président. Dans la mesure où si jamais on convainc ou on pousse le président à négocier pour une augmentation de budget à Rennes 2 l'année prochaine, au dépens d'une autre université, ça ne m'intéresse pas spécialement éthiquement et politiquement. Et aussi, secondement, s'il y a une rallonge de budget pour Rennes 2 au dépens d'une autre université et que dans 2 ans c'est l'inverse, je ne vois pas exactement à quoi ça sert. Donc je pense qu'il faut surtout s'opposer aux baisses de budget et à la politique d'austérité, à la concurrence des universités mises en place dans quelques années. La seconde chose que je veux dire aussi, c'est que si on défend une université ouverte à toutes et à tous, il s'agit aussi de s'opposer au racisme d'État. Premièrement, à la chaise aux sans-papiers qui continue et dont sont victimes un certain nombre d'étudiants. Et secondement, un rapport qui est sorti cet été, qui proposait ni plus ni moins, sous prétexte de laïcité, d'exclure les étudiants voilés des facs. Manuel Valls a dit que c'était une proposition intéressante. On risque peut-être de l'avoir mise en place dans les prochaines années. Je pense qu'il faut aussi s'exprimer là-dessus.
Bonjour tout le monde. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de position des enseignants ferme sur le mouvement qui est en train de se passer. On est en infocom, le chiffre-off en infocom, ça se fait lundi, où il y aura une position, même si je vois bien qu'on est nombreux à vous soutenir dans ce qui est dit ici. Moi, j'aimerais vite dire une chose, c'est toutes les revendications que vous êtes en train de dire sur les problèmes de salle, sur les problèmes de France, sur le manque de moyens, etc., tout cela est tout à fait légitime et concret. Sur la répartition budgétaire qui pourrait parfois justement prêter en tout cas nous pousser à nous interroger sur quelles sont les priorités concrètes de cet établissement. Je pense que les fondements de la colère sont totalement justes. Et j'insiste sur un point qui pour nous est important, c'est que notre métier, c'est d'être enseignant certes, mais c'est d'être chercheur aussi. Et il y a une loi aussi qui est parue quand même, pendant qu'on était en vacances, de préférence. Et cette loi met les sciences humaines et sociales parmi les dernières priorités, comme si c'était, et le reste, sciences humaines et sociales, et ça c'est inadmissible, parce que c'est très bien que dans un État dans lequel on veut, comment dire, progresser dans nos droits, etc., on a besoin des sciences sociales, on a besoin de comprendre les endroits dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de la sociologie, de l'histoire, d'infocom et toutes les autres disciplines qui ont été énoncées ici. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, quand on est prof, en infocom, la situation est que nous triplons notre service. Alors vous allez dire, on gagne du coup plus d'argent, c'est vrai, c'est bien. Il n'en demeure pas moins que ce temps que nous passons à l'enseignement et à gérer toutes ces bricoles pour les salles et à remettre les cours parce qu'on ne peut plus travailler, fait que nous ne faisons de moins en moins de recherches. Et si on fait moins en moins de recherches, parce que déjà c'est difficile d'avoir des budgets publics pour faire des recherches si vous ne travaillez pas sur les priorités que la société a décidées de mettre en place, enfin, quand je dis la société, c'est évidemment une structure de pouvoir. Si nous n'avons pas ce budget-là, déjà c'est difficile de faire de la recherche. Et si nous n'avons pas le temps, nous ne pouvons plus faire de recherche. Et or, qu'est-ce qui se passe? Le contenu pédagogique s'en ressent, parce qu'à l'université, le propre quand même de l'université, c'est la recherche vient anticiper, la recherche vient alimenter les cours. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de recherche sereinement, et ça s'impacte sur les contenus pédagogiques qui se vont en dégradant. Donc les conditions matérielles, c'est une chose, mais la crise intellectuelle, c'en est une autre, et je crois que ça fait partie du même mouvement sur lequel, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, en tout cas, je soutiens véritablement et en tant qu'individu également. Voilà, merci. Personnes du coup qui votent pour. Maintenant, qui est contre? Bon, c'est pas timide, hein. Populaire. Vous avez le droit de voter contre. Oui. Il y en a une. Non, deux.